La prostitution est un fléau. Si c'est considéré dans certaines sociétés comme le plus vieux métier du monde, cela n'est pas une règle universelle, cela n'est pas valable. Il y a des régions en Afrique où les femmes ne tapinent pas. Je tiens à le dire, je suis catégorique. La, la, et ça, et je peux le prouver en images. La première prostitution, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est. Euh... Elle est disons que la, la prostitution intellectuelle, c'est une fois qu'on est soumis. <laughs> Mais lorsqu'on n'a pas été soumis par le fouet, on ne peut pas se prostituer. Personnellement, je ne serai jamais. Euh, je ne pourrai jamais me prostituer intellectuellement des possibilités, des opportunités. J'en ai eu, mais je ne le ferai pas pour la bonne et simple raison j'ai une formation initiatique. Se prostituer, c'est quoi Se prostituer, c'est comme ce qu'on appelle aux États-Unis euh, pour parler de la prostitution intellectuelle. Oui, oui. C'est euh, se renier et valoriser toujours ce qui vient d'ailleurs. Je suis souvent surpris lorsque je me retrouve dans certains colloques avec des collègues qui passent leur temps à paraphraser des euh, des auteurs grecs ou allemands qui pour la plupart sont négrophobes d'ailleurs. C'est cela la prostitution intellectuelle. On veut citer Montesquieu sans savoir ce que Montesquieu dit sur les nègres dans l'esprit de loi. <laughs> On veut citer Hegel sans savoir ce que Hegel dit sur l'histoire de la philosophie parce qu'il a laissé des réflexions. Il faut lire ces gens-là pour comprendre. Et ça, c'est de la prostitution intellectuelle. On a beaucoup d'intellectuels africains lorsqu'on leur pose la question, quelles sont vos, vos, vos premières influences vous ne les verrez pas citer un seul Africain ou un auteur de l'arrière-pays, alors que l'Afrique fourmille de grands penseurs. On a Tchernobokar qui a formé l'un des meilleurs littéraires africains qui est euh, Amadou, Amadou, Amadou en Patéba. En On a Ouakamiseko qui a formé le regretté Youssouf Tata, Tatassissé qui est l'un des meilleurs anthropologues africains de tous les temps. On a Rougindiri qui est un brillant euh, historien qui a… Qui a siégé à la cour de Moami au Burundi et au Rwanda pendant 50 ans, en Abbas Oumana Sissoko, qui est une encyclopédie vivante qui nous a quittés en 1987 au Mali. Personne n'en parle pour la bonne et simple raison. Les Africains, pour faire beau, pour faire civiliser, sont obligés tout le temps de faire recours. Ce n'est pas mauvais de citer les autres. Il m'arrive, moi aussi, de citer Guy Descartes et d'autres penseurs qui ont été euh, très, très brillants dans ce qu'ils ont fait. Mais seulement, euh, les. Les penseurs africains sont toujours mis de côté comme la femme. La véritable difficulté pour ces personnes, c'est que l'Africain est éduqué pour être hostile à sa propre culture, à sa propre personne. Donc, lorsque par exemple on donne l'exemple du vaudou, les gens vous diront que c'est du fétichisme, c'est dangereux, et il ne faut pas. Donc, les gens n'osent même pas avoir la curiosité intellectuelle de voir ce qui se passe. Je ne suis pas un, un comment dirais-je, un, adepte, un, un hein. adepte du vaudou. Mais en tant qu'observateur, j'ai pu voir comment ça fonctionne. Des femmes qui dirigent des cultes, c'est quand même impressionnant. Euh, il y a eu un débat en Angleterre qui a fait couler beaucoup d'encre. Je connais très bien la Grande-Bretagne. Et euh, lorsque l'archevêque de Canterbury a nommé une femme pour euh, diriger une paroisse anglicane, ça a fait couler beaucoup d'encre. Alors que chez les Africains, ça passe comme une lettre à la poste. Donc je parle de l'Afrique oui. traditionnelle, l'Afrique stable. Et souvent, pour euh, justement euh, balayer ces clichés, il est bon de montrer ses exemples. Est-ce que ça, doit commencer, ça ne doit pas commencer par la famille d'abord Oui, la famille, mais si les parents sont aliénés, euh, le résultat sera le même. Mais comment on fait Comment on procède C'est quoi C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. Parce que le malheur de l'Afrique, c'est que l'élite africaine n'est pas assez africaine. Nous vivons avec des cultures d'emprunt et nous voulons reproduire ce qu'on voit ailleurs parce que dans la mentalité du colonisateur ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur que ce qui se trouve sur le